Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est sais-tu gérer les conflits. Et aujourd'hui c'est Nadine qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite dans la rubrique famille, notre invitée Audrey Mac nous donnera des conseils pour protéger notre couple. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde! Bonjour Evelyne! Ah. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super! Génial! Bonjour Audrey! Bonjour Evelyne! Ça va bien? Ça va, ça va! Oui, merci d'être encore avec nous aujourd'hui, Audrey! Je le rappelle, tu es une merveilleuse missionnaire du ministère Gothel Ministry! Tu voyages à travers le monde entier. Attends, attends, j'ai les chevilles qui gonflent. <rire> <rire> Je Il n'y a plus de place sous la table, c'est ça? ça. Tu voyages vraiment partout, sur toute la Terre et on est. Il y a beaucoup est... boulot à faire. Oh oui, il y a on beaucoup est de tous boulot. ensemble pour. Uh... Pour, pour cette raison. Amen, amen. Merci de faire une petite halte par EMCI TV pour venir nous bénir et bénir la francophonie. Et aujourd'hui, dans cette émission, tu feras la rubrique famille et tu vas donner plein de bons conseils pour les couples et les futurs couples, même pour se préparer à éviter d'arriver dans des zones dangereuses. Exact. Donc, on va protéger les couples aujourd'hui. Mais avant ça, avec toi, Nadine, et avec vous tous, nous allons parler de la gestion des conflits. D'être des agents de paix avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Nadine, le titre de ta pensée est Devenez un agent de paix. Oui, devenez un agent de paix. Voilà la, la, la demande que je vous fais aujourd'hui. Devenez un agent de paix. Non un agent de discorde, mais un agent de paix, parce que c'est à vous de faire ce choix. Et on va tout de suite lire dans la Bible, dans Proverbe 17, au verset 19, la Bible dit que celui qui aime les querelles aime le péché. Alors, d'entrée de jeu, on peut déjà établir une vérité Dieu n'aime pas les querelles. Dieu n'aime tout simplement pas les querelles. La Bible dit en fait qu'il y a six choses que l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur, et de ces choses, c'est celui qui excite les querelles entre frères. Donc, Dieu n'aime pas les querelles, Dieu n'aime pas les disputes, Dieu n'aime pas les conflits, Dieu n'aime pas les animosités. Mais voyez-vous, parmi nous, il y a des personnes qui, eux, aiment les disputes il y a des gens qui aiment ça quand ça va mal. Ils aiment ça quand il y a des conflits. Ils aiment ça quand les choses vont mal parce qu'ils aiment chercher l'angle mort. Ils aiment mettre l'huile au feu. Ils aiment regarder les choses à l'envers. Ils aiment créer des incompréhensions, voir ce qui ne va pas, chercher la petite bête. En fait, créer une situation de conflit. Et peut-être que vous qui nous écoutez, vous n'êtes pas conflictuel, mais l'environnement dans lequel vous, vous êtes, les conflits éruptent et vous ne savez pas comment les gérer. Et vous avez tout simplement accepté, en fait. Vous vous êtes résigné à vivre dans une atmosphère de conflit, à vivre dans une vie en dents de scie où aujourd'hui ça va bien, mais demain ça va mal, après-demain ça va bien, le surlendemain ça va mal, parce que il ben, y a des personnes qui créent des conflits. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui sont résignées à vivre dans des, une vie en scie, encore une fois, dans leur famille, dans leur couple, dans leur travail avec leurs collègues de travail, ou même dans le ministère qu'ils exercent à l'Église avec des frères et des sœurs avec qui ils ne savent pas gérer ces situations de conflit. Mais je vais vous dire une bonne nouvelle aujourd'hui. C'est possible de vivre dans la paix. Uh -huh. C'est possible de vivre sans conflit si on applique les bonnes choses. Et déjà, la Bible nous encourage justement à être des agents de paix. La Bible dit dans Hébreu 12 au verset 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, la Bible nous encourage, nous demande à nous de chercher la paix. Voilà pourquoi je vous dis, devenez un agent de paix. Mmh. Alors, comment vivre, comment chercher la paix, quelle attitude on doit avoir dans un conflit justement pour être nous des agents de paix Je vais vous donner cinq clés pour avoir des attitudes pour avoir dans un conflit. La première des choses, il faut mesurer sur le conflit en vaut la peine. Parce qu'on ne rentre pas en discussion avec tout et n'importe qui, pour tout et pour rien. La caissière au magasin du supermarché, vous n'êtes pas obligé de vous disputer avec elle. Mm -hmm. Le conducteur qui vous a coupé, qui n'a pas mis son clignotant sur la route, vous n'êtes pas obligé de le rattraper au feu rouge pour lui dire votre pensée. On ne on rentre pas déjà en conflit avec tout et n'importe qui. Mm -hmm. La deuxième chose, il faut savoir désamorcer une situation. La Bible nous dit dans Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Mmh. Donc dans le ton et dans la parole que nous allons avoir, va déjà désamorcer la chose. La parole que nous allons dire, oui, mais même le ton que nous allons employer, l'attitude que nous allons avoir, notre non-verbal, non, notre, non notre façon de nous positionner, mmh. va déjà désamorcer quelque chose. Et on voit dans la, dans la Bible, justement, Salomon, qui doit gérer une situation de conflit entre deux femmes qui se disputent au niveau d'un bébé. Et qu'est-ce que Salomon fait Salomon fait appel à la sagesse de Dieu. Il y a des situations oui que il va falloir que vous demandez justement à la sagesse de Dieu, l'intervention divine, que Dieu vous donne la sagesse à savoir comment désamorcer cette situation. La troisième chose, il faut mesurer l'impact à long terme. Parce que vous voyez, il y a des gens qui rentrent dans des conflits et ils semblent gagner, on peut gagner la bataille mais perdre la guerre. Quelqu'un qui rentre dans des conflits à son travail, vous allez peut-être gagner la bataille en gagnant un conflit avec une collègue, mais au bout de trois mois, au bout de six mois, vous êtes pris une réputation au travail et vous perdez votre emploi. Donc, c'est rentrer dans un conflit, gagner une bataille, mais perdre la guerre. Il y a des choses que vous devez mesurer à long terme et dire non. Ce conflit, ci je dois le désamorcer dès maintenant, je ne laisse pas prendre racine parce que les ramifications à long terme sont trop grandes, sont trop importantes. Mm -hmm. La quatrième chose, il faut regarder au-delà du conflit. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des gens qui sont conflictuels. Il y a des personnes qui ne veulent pas arranger. Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas. Euh, ils vous appellent pour dire on va discuter d'un problème, mais au fond, ils ne veulent pas arranger le problème. Ils veulent juste vous déstabiliser, ils veulent salir votre réputation, ils veulent vous, que vous mordiez à l'hameçon pour rentrer dans des disputes vaines avec eux. Il faut voir au-delà et mesurer si vraiment il y a, y a une demande de paix ou c'est juste une demande d'enveniment encore plus les conflits. C'est très important. Ces personnes-là, il faut tout simplement s'en éloigner. Mmh. Et la cinquième chose, il faut considérer l'aspect spirituel des choses. Parce que la Bible dit qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang. Mmh. Et qui aime les conflits je vous pose la question. C'est Satan qui aime les conflits. Ouais. Satan aime la division, il aime le chaos, il aime quand les enfants de Dieu ne s'entendent pas, pas, il aime quand tout va mal. C'est là qu'il règne, c'est là qu'il vient faire son travail. Mais qui aime l'unité Dieu aime l'unité. Ouais. Et comme on a dit d'entrée de Dieu n'aime pas les querelles, Dieu n'aime pas les disputes. Et qui, à qui profite le, le, le conflit Posez-vous la question, c'est à l'ennemi que profite le conflit. Donc si, quand vous avez cette, ces attitudes-là, quand vous avez ça en tête, ça vous permet déjà d'avoir une position de vouloir à chercher la paix parce que vous savez que Dieu n'est pas là-dedans, Dieu n'est pas dans les conflits inutiles. Alors je vous pose la question, demandez-vous, suis-je une personne conflictuelle Est-ce que dans une situation de conflit, je veux désamorcer la situation ou j'envenime les choses par mes paroles ou par mes attitudes Posez-vous la question aujourd'hui, je vous encourage à être une personne de paix, je vous encourage à marcher dans le chemin de l'humilité, je vous encourage à marcher dans le chemin de la réconciliation. Et si vous êtes déjà un agent de paix, je vous encourage à persévérer, persévérer dans la paix, persévérer à choisir la bonne part, persévérer à choisir le chemin de la réconciliation. Humiliez-vous, demandez pardon, même où vous n'avez pas eu tort, pour gagner à long terme. Mm -hmm. Même si vous perdez à court terme, vous gagnerez à long terme, parce que la Bible dit dans Romains 12 au verset 18, S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ouais. Merci beaucoup Nadine pour cette excellente pensée du jour. Ah, les conflits, hein. c'est vrai ce que tu dis, le diable se régale dans les conflits. Et on a partout, malheureusement, les conflits entrent dans l'église, dans la famille, dans le lieu de travail, partout. Et, et ton exemple nous fait sourire de la caissière ou de s'arrêter au feu rouge. Mais pourtant, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. J'ai vu des fois des gens rentrer dans des, des conflits, dans des disputes à la caisse justement d'un magasin pour quelques centimes, pour une incompréhension, pour un détail, un bonjour mal dit etc. Il y a des gens qui, on dirait qu'ils s'alimentent en fait des conflits. C'est mmh. une façon d'attirer l'attention sur eux, une façon de, de, je ne sais pas, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est incroyable comment ça peut euh, être présent dans la vie de certaines personnes. Et notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans Proverbe 28-25, nous dit que l'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'éternel est rassasié. Il est rassasié de quoi Il est rassasié de justice s'il a besoin de justice, il est rassasié de paix s'il a besoin de paix, il est rassasié de joie s'il a besoin de joie, il est rassasié de tout ce dont il a besoin. Donc finalement, ces querelles et ces disputes ne sont plus nécessaires mmh. à soi-disant son bien-être parce que le Seigneur le rassasie complètement et c'est une merveilleuse promesse. Mmh. Mmh. Amen. Amen. Prions. <laughs> non, moi, j'ai vraiment aimé la pensée de Nadine. Je te félicite. Est-ce que je le droit d'applaudir Tu non, peux, tu je peux. Je te demanderai d'écrire toutes mes prochaines pensées. C'est pas déjà Et, elle qui le fait Non, jusque-là, c'était moi, malheureusement. Ah, il me non, semblait. Mais bon, bon. Et puis, la Bible nous exhorte vraiment à, à être des partisans de paix. La mmh. dit mmh. que heureux les partisans de paix, parce qu'ils mmh. verront Dieu. Mmh. Et euh, on voit aussi que, que les querelles, que. Que, que toutes ces choses-là sont, sont souvent liées à, au fait qu'on marche selon la chair. Mm -hmm. euh, on voit ce paradoxe, dans, je crois que c'est dans Galate, où, où on voit que l'homme qui marche dans, selon la chair, il est euh, pour les querelles, il est pour la dissolution, il est pour les divisions, alors mm -hmm. que le fruit de l'esprit, mm -hmm. c'est la paix. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'avais <laughs> pas une, une aussi longue pensée. <laughs> J'ai cru que j'allais être meilleur que ça. Hein. <laughs> Quelle intervention extraordinaire Je suis sûre qu'Audrey a mieux à dire. <laughs> Audrey sauf. Non, je trouvais ça bien. Je rectifie, c'était bien ce que j'ai dit. Là. Absolument. Mais euh, moi, une chose que j'ai remarquée souvent, c'est que les gens, ils se mettent en colère. Mais c'est à la racine, c'est pas le problème. Comme tu parles de la caissière et ils se mettent en colère, mais le problème, c'est pas la caissière, c'est que c'est comme si de leur cœur. Ils ont une colère déjà mmh, dans leur mmh, cœur mmh. et le pro premier petit prétexte mmh, pff, ça, ça 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 jaillit ça ça commence mmh. Mmh. et donc pour ces personnes si vous ont tendance à avoir de la colère comme ça il y a des personnes qui qui regardent qui mmh. ont peut-être sur un petit prétexte hop oh, ils commencent à se mettre en colère ou il y a une parole qui sort de, de travers, ils doivent s'arrêter, se dire mais c'est quoi vraiment le, le problème mm -hmm. C'était pas cette caissière ou cette personne au feu rouge mm -hmm. ou, ou mon mari ou mes enfants, c'est pourquoi est-ce que je si facilement je mm -hmm. j'explose je, J'explose. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur qui doit être mm -hmm. qui doit être géré, qui mm -hmm. doit être exposé. Et ça, c'est le Saint-Esprit. La mm -hmm. personne doit s'arrêter de dire Ok, Saint-Esprit, tu me montres qu'est-ce mm -hmm. que c'est qu'il y a dans mm -hmm. mon cœur mm -hmm. qui fait que je ne me je, je, je suis pas une personne de paix. Mm -hmm. Et si je peux rajouter aussi, parce que tu as dit, Nadine, que sans, sans rechercher la paix, personne ne peut voir Dieu. Mm -hmm. Souvent, on a le concept que Dieu va refuser de nous parler mm -hmm. si on n'est pas une personne de paix. Mm -hmm. Et je ne pense pas que c'est ce que ça veut dire. Mm -hmm. Parce que Dieu, on est dans, une, dans la grâce, Dieu, il, il a payé pour tous nos péchés et Dieu, il a les bras ouverts. Mais c'est les gens autour de nous, personne autour de nous ne verra Dieu mmh. au travers mmh. de nous quand ça. on est une genre de personne mmh. qui ne cherche pas la paix. Mmh. Exactement. Et donc, c'est que quelque chose qu'on doit cultiver. <laughs> c'est ça que je voulais dire. Hein. <laughs> Oui, tu m'en avais parlé, oui, avant, je t'en mais... avais parlé, ai tombé mais... sur suis Mais, bon, mais poursuis, Audrey, pardon, poursuis ah. parce que c'est intéressant de l'entendre des autres personnes. Non, mais c'est très, très vrai ce que tu dis, Audrey. Et Gwen, d'ailleurs, approuve totalement. Tout à fait. Mais, mais c'est vrai que c'est ça le problème c'est qu'en fait, quelle image émane de nous finalement mm -hmm. Parce que les gens doivent voir Christ en nous en tant que chrétiens. Et quand justement, on est des personnes qui, qui Cherchons les querelles pour un, tout, pour un oui ou pour un non, pour tout et pour rien. Quelle image finalement ça donne Tu voulais dire ça aussi, Gwen Non, ça non, ça non, je me suis dit que. <laughs> Que non là je veux plus rien dire <laughs> mais c'est ça le, le, le gros problème est là et puis tu parles de notre témoignage, mais complètement puis tu parles de personnes qui ont des il y a des racines de ces mmh. choses là et souvent ce sont des blessures ce sont des il ya des vraies souffrances qui se cachent mmh. derrière ces personnes là et c'est vrai que euh, on parle de gestion des conflits comment gérer les conflits et tu l'as dit dans ta pensée on n'est peut-être pas forcément une personne qui mon les conflits mais on est dans un environnement à conflit et je pense particulièrement à des milieux de travail. Hein. On le sait, je ne veux pas faire une caricature, mais dans les milieux de travail où il y a beaucoup de femmes, il y a souvent beaucoup de conflits. Malheureusement, c'est comme ça. Et moi, je me souviens, j'ai travaillé dans un environnement, quand j'étais en France, où il y avait seulement deux hommes qui étaient à l'étage en dessous à la comptabilité. On n'était que des femmes. Et c'était Tendu en permanence. On marche sur des œufs en permanence. Et là, nous, justement, en tant que chrétiens, on peut être justement ces agents de paix dont tu parles, Nadine, pour venir changer cette atmosphère, en fait. Là où il y a du conflit, on peut désamorcer, comme tu l'as dit aussi dans ta pensée. On a vraiment un rôle à jouer très, très important. Et il ne faut pas le négliger parce qu'en fait, on peut vraiment arriver dans un lieu où c'est très conflictuel, où l'ambiance va être très lourde. Et puis, on peut, par notre simple présence, par quelques paroles douces, calmer les choses sans forcément prendre position pour l'un ou pour l'autre, dire qui a raison, qui a tort, ce n'est mm -hmm. pas là la question. L'idée, c'est de calmer les choses, parce que souvent, ce sont des détails qui créent des conflits, des tout petits détails. Il n'y a pas de vraies choses. Des fois, ça veut temps. dire qu'on garde la bouche fermée. Aussi, mm -hmm. exactement. La Bible dit que celui qui, qui, qui parle peu, peu, pêche peu. Mm -hmm. Et donc, c'est la tentation, c'est quand il y a quelqu'un même qui vous attaque avec des paroles qui mm -hmm. vous critiquent, mm -hmm. la, la réaction, c'est de vouloir... Mm -hmm. Réagir, mm -hmm. mais dans la Bible, on ne doit pas réagir, on doit s'arrêter mm -hmm. et voir comment agir et mm -hmm. pas réagir. Oui. Et, et je crois même un sourire, des fois, ça, ça calme les ça, choses. Calme les choses. Vraiment. On devrait être connus pour euh, notre amour les uns envers les autres et aussi pour notre douceur. Mm -hmm. Et euh, une des clés pour la gestion des conflits, c'est certainement l'humilité aussi. Oui. L'humilité qui, euh, qui nous amène, des fois, bah, comme tu l'as ah. dit, à, à se taire. Des fois à sourire, des fois à écouter simplement, patiemment les gens mmh. <laughs> s'exciter, etc. et dire toutes sortes de choses. Et nous, on peut répondre par une simple parole selon ce qu'on peut mmh. avoir à cœur à ce moment-là. Et l'un des bons livres pour nous aider, c'est le livre des proverbes aussi. Mmh. On parle beaucoup des relations les uns mmh. avec les autres oui. et euh, de la gestion de ces conflits. Entre autres, il y a un mmh. proverbe qui dit, euh, en parlant de l'insensé, que cet insensé, en fait, il passe dans une rue et il va euh, même se. je paraphrase, hein, se prendre la tête avec mmh. des gens dans. Dans une affaire qui n'est pas la sienne, en fait. Ouais, mmh. ouais. Il réussit à se mettre dans des histoires qui, où il n'était même pas impliqué. Mmh. Et c'est vrai que des fois, il y a des, des, des personnes qui sont comme ça. Et bref, les Proverbes sont un, un, un bon livre sur lequel méditer pour euh, changer, parce qu'on devrait se mettre devant le Seigneur, comme on mmh. l'a dit, et se dire bah, c'est quoi, quoi mon problème, Seigneur Qu'est-ce qu que j'ai Pourquoi mmh. je réagis comme ça Et il y en a qui se posent ces genres de questions, mais il faut aller plus loin que la question et mmh. trouver vraiment la guérison. Auprès du Seigneur, être guéri dans, dans, notre, dans notre caractère. Mm -hmm. Parce que Dieu veut nous sanctifier et on peut changer. Oui. C'est une bonne nouvelle, tu as donné des bonnes nouvelles. Mm -hmm. hein. Dans ta pensée, c'est vrai, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. Exactement. Le caractère peut changer. On, peut, on pouvait être colérique auparavant mm -hmm. et devenir une personne extrêmement douce. Amen, ouais, ce n'est pas une fatalité. C'est ça, c'est ce qu'elle disait, qu euh, l'homme peut changer, on n'est pas obligé de rester. Il y a des gens qui ont accepté d'être colérique en se disant, bah, bah, c'est un trait de mon caractère. Mm -hmm. Mais euh, je lisais tout à l'heure ce verset qui dit que la langue. Aucun homme ne peut la dompter. Mmh. Et euh, si on lit juste ça, on se dit, bah, c'est une fatalité, mais Dieu peut la dompter. Oui. Dieu, peut, mmh. Dieu peut vraiment nous aider à dompter notre langue. Mmh. Euh, si si euh, Jacques dit qu'on ne peut pas la dompter nous-mêmes, on a besoin d'aide. Mmh. Et là, il faut vraiment se positionner devant Dieu parce que Dieu peut dompter notre langue. Oui, il l'a fait pour Zacharie. Amen. C'était un domptage radical. Je veux l'onction de Zacharie. <laughs> <laughs> parfois, l'onction de Zacharie peut être très utile, <laughs> comme l'a dit Audrey. Parfois, il faut juste se taire dans certaines ouais. situations. Mmh. Et la semaine dernière, mercredi dernier, si vous vous souvenez, on a fait une émission sur le fait de toujours vouloir avoir raison. Mmh. Pourquoi oh oui. veux-tu toujours avoir raison Vous pouvez aller l'écouter à la maison un peu un... Avec, avec un, un excellent <laughs> quiz, toujours très animé. Mais on peut voir que l'une des raisons aussi pour lesquelles on cherche le conflit, c'est qu'on cherche toujours à avoir raison, on a besoin d'avoir raison, même quand on a tort. Et Jonathan nous avait fait une très belle pensée, euh, très poétique <laughs> sur le fait d'avoir tort ou raison, mais vous pouvez aller euh, l'écouter. Et là, on va continuer, on va parler de, du couple, de comment protéger son couple, justement, comment ne pas en arriver à euh, cette gestion de conflit avec toi, Audrey, dans la rubrique famille. Donc, Audrey, moi, je vais faire les mimes, tu vois, pendant que tu parles. J'ai vu que Jérémy, ça m'avait bien fait rire. <rire>, <rire> et ben, ben, elle tout comme ça. Audrey et pendant que tu parles. Est beau, hein. Oui, Audrey, Pour elle parle. Non, mais comme elle sera en train d'enseigner, je vais être son assistante okay, euh, mimière. Mimière. Tout à fait. C'est un mot qui existe. Je le déclare. <laughs> c est, c est déclare. <rire> Audrey, <laughs> dis-nous tout. Comment peut-on protéger notre couple et combien on doit le protéger parce que combien le diable essaye de diviser les oui. couples ben Déjà, moi, quand je me suis mariée, ça va faire bien. 20 ans. Oh, félicitations! Wow. Ah, wow. Bientôt. Il euh, y a un verset qui m'a vraiment parlé, on le connaît tous, c'est Ephésiens 5, 31. Il dit C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mm. Très souvent, les gens ont cette idée romantique le mariage, on va se marier, puis ça va être quand en réalité deviendront, mmh. j'ai découvert que c'est un processus. Mmh. C'est deux personnes qui vont... <laughs> c'est assez violent. Mmh. Attends, je te le fais. Qui vont devenir <laughs> un, et ça veut dire qu'il va y avoir un processus, mmh. et il va y avoir sûrement des conflits, des, mmh. des choses qu'on va pas bien comprendre, deux personnes de tempérament, deux, deux personnes différentes qui vont devenir un... C'est sûr que dans l'esprit, on, on va devenir un, dans la chair. En espérant le jour du mariage, que les gens entendent <laughs> le jour du mariage, amen, on devient. Amen. Ça aussi, c'est un enseignement <laughs> qui devra, qu faudra bientôt euh, aborder. <laughs> euh, mais dans, les, dans la lame, les émotions, c'est un processus hum. que deux personnes deviennent. Et donc, chance, ça hein. veut dire que dans ce processus, il va y avoir des choses qu'on va pas bien comprendre, des, des conflits. Mais les conflits, c'est pas Automatiquement négatifs mmh. s'ils sont bien gérés. Oui. Parce que un conflit qui est mal, qui est bien géré, ça veut dire que les, ça peut rendre le couple encore plus fort. Mmh. Et c'est ça qui est important. Comment gérer, bah, le titre de notre émission, mmh. comment gérer les conflits? Euh, dans 1 Corinthiens 1, verset 10, il dit, Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc là, on voit qu'il doit y avoir, et en tant que couple, même s'il y a des conflits, on doit chercher l'unité, de, de se battre contre la division qui est, Gwen, pardon, division. <laughs> division. Mais ma non, mais là, là je veux être sûr que, <laughs> que... Comme on a préparé les notes ensemble... <laughs> C était déjà au point d'après en fait. C'est ça, ça, voilà. ça. ça. Donc pour en plus vision, deux, deux visions, visions on hum. doit se pro protéger le couple de la division. Amen. Et, euh, et, et donc en tant que quand j'étais jeune mariée, il y a des choses que j'ai appris, des, des erreurs que j'ai faites. Hum. Et donc une chose que j'ai découvert, c'est de faire attention aux accusations. Hum. Parce que quand on a un conflit ou quand il y a des choses qu'on comprend pas, en tant que femme, on est plus émotionnel. Mm -hmm. Et des fois, le, 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 je me rappelle avec mon mari, et il avait fait quelque chose qui m'avait me, qui, qui me, qui blessé, je comprenais pas. Et en tant que femme, on a tendance à devenir comme l'huître. Mm -hmm. On se tait, il euh, y a Jérémy qui sourit, peut-être que tu as vécu ça, je ne sais pas. J'aime bien l'image de l'huître. Mm. <laughs> et puis, alors, on parle pas. Et puis, et puis, je me rappelle, Fred, mon mari, vient, il me dit Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui va pas je voulais pas parler. Et puis euh, il me dit euh, mais 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 qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu as Et puis je dis non rien du tout. Puis je le poussais ou je le avec mes paroles, avec mes actions, avec ma, mon mon attitude. Donc mon mari va dans l'autre pièce. Mais à l'intérieur, oh, ça m'a tellement parce que. À l'intérieur, je le poussais avec mes paroles mmh. et mon attitude, mais ce que, à l'intérieur, je désirais, mmh. c'est qu'il vienne et qu'il me prenne dans ses bras. Mais, oui. mais qu'est-ce que j'ai dû faire Alors, j'ai appris, c'est qu'en temps de paix, ou en temps quand on s'entend bien, on était par exemple un jour en train de jouer aux cartes tous les deux, on faisait un rami, on se parlait. Et c'est là où j'ai saisi l'opportunité pour partager, parce qu'on a tendance à penser que l'homme va connaître nos pensées, mmh. ou deviner ce qu'on mmh. pense. C'est faux. En, voilà, mmh. disons-le clairement. Et très souvent, <laughs> les hommes, ils ont, ça leur passe au-dessus de la tête. Comme disons. tout à l'heure. Comme tout à l'heure, <laughs> voilà. Oui, Mais donc, j'en ai profité pour <laughs> oui. euh, un moment où on, on était bien, on s'entendait bien, pour mmh. lui dire, tu sais, Fred, tu te rappelles l'autre jour quand tu avais fait ceci, ça m'avait vraiment blessé. Mmh. Et quand tu es venu pour demander qu'est-ce qui ne va pas, je t'ai repoussé, je t'ai dit de me laisser tranquille, et puis tu as été, je dis vraiment dans des moments comme ça, vraiment, dans mon cœur, ce que j'aimerais que tu fasses et que tu viennes, que tu me prennes dans tes bras. Mm -hmm. Et tout d'un coup, c'est comme ça, en fin de compte, mm -hmm. pour gérer les conflits. C'est quand l'homme et la femme qui pensent différemment, qui on est tellement différents dans notre façon de penser, de faire, pour... Pour gérer le conflit, c'est en moment de paix, de se parler, de se dire, tu sais, c'est c'est ce que si se passe ceci et cela, ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est ça. Et donc, et ça a vraiment changé. Ça a changé le dynamisme de notre mariage. S'il y a quelque chose qui fait, ben, euh, ben, tout de mon mari vient, ben il dit, ah, tu veux que je te prenne dans mes bras dis hein? oui, et puis alors ça me désarme. Tu en des... fait, tu lui as donné une clé là. Clé voilà, et c'est, on ne doit pas automatiquement assumer que notre mari devine mm -hmm. ce dont on a besoin, on doit le communiquer avec lui. Mm -hmm. Et oui. ça va pour le mari avec la femme. Oui. Et une chose que j'ai appris aussi, c'est de vraiment, comme je disais, éviter les accusations, mm -hmm. les mots comme jamais, toujours. Mm -hmm. Tu fais toujours cela ou tu fais jamais. Et, et très souvent, on a tendance à vouloir, ou de d'accuser en, en, en donnant l'intention de la personne. Mm -hmm. Je donne un exemple. Euh, au début de notre mariage avec mon mari, on était. Mon mari, il fait toujours très attention aux personnes autour de lui, et on marchait dans la rue. Puis toujours, quand il voyait des personnes qui venaient avant, eh ben, il avait tendance à me pousser. Des fois, il marchait sur les pieds sans le vouloir. Il me poussait pour laisser passer la personne qui venait, et moi, ça me blessait à l'intérieur parce que dans mon petit euh, psychisme, je pensais, mais ben mon mari, il, 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 il pense plus aux autres qu'à moi. Oui. Il aime plus les autres que moi. Il, il s'occupe plus des autres que moi. Mm -hmm. Et quand j'ai parlé à mon mari, je lui ai Oui, tu aimes les autres plus que moi, tu fais toujours ça. Et, et vraiment, je lui ai dit Tu es plus attente, attentionné aux gens autour de toi qu'à ta propre femme. Et tu fais toujours ça et jamais ceci. Mm -hmm. Et en fin de compte, je l'accusais en donnant son intention. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Et donc j'ai appris qu'on ne doit jamais mm. donner l'intention... on ne sait pas l'intention de la personne. Mm. Et donc j'ai découvert qu'avec la façon d'aborder le sujet, c'était de dire Fred, je sais que tu as toujours je, tu veux toujours faire attention aux, aux personnes autour de toi. Tu as attentionné. Tu veux tu veux tu veux faire les, les, les... mais tu sais quand tu fais ça, c'est ce que je ressens. Mm -hmm. C'est plus c'est plus tu fais toujours ça parce que mais je partage mes sentiments ce que ces actions produisent dans mon cœur je dis c'est ce que ça me fait sentir je me sens euh, comme si tu tu tu, tu m'aimes pas je me re, je ressens ceci je ressens cela donc je partage mes émotions au lieu de l'accuser en mmh. lui donnant ses intentions. Mm -hmm. et, et, et de cette manière, j'ai découvert que mon mari, souvent, me dit oh! Il m'a dit, mais c'était jamais mon intention. Au contraire, tu sais que je t'aime, tu sais que je ferais tout. Et puis, tout d'un coup, il s'est pas senti attaqué. Mm -hmm. Il s'est senti valorisé dans le sens que je lui ai montré que je sais que tu es une personne qui aime les gens, tu veux, tu veux avoir un bon témoignage, que les gens ils voient l'amour de Dieu en toi, mais quand tu fais ceci et cela, c'est ce que ça me communique à moi. Et de cette manière, il se sent pas attaqué. Et je peux partager d'une manière, en fin de compte, gérer le conflit. Mm -hmm. Et partager, en fin de compte, ce que je ressens. Et j'ai découvert que de cette manière, on pouvait apprendre à communiquer sans s'attaquer. On pouvait apprendre à gérer un conflit. Et c'est ça. De cette manière, ben, notre mariage a grandi. Mm -hmm. Notre façon même de communiquer est devenue de bien meilleure. Mm -hmm. On s'attaque plus, on partage. Et puis, tout problème, quand il y a des problèmes comme ça, ben, ça, nous, ça nous apprend, ça nous aide à même à se fortifier en tant que couple. Mm -hmm. euh, protéger le couple. J'ai aussi découvert que c'est important de protéger le couple de la belle famille. Mm -hmm. Parce que, bon, certains d'entre vous, peut-être, vous avez des belles familles qui sont euh, la belle famille modèle. Moi, ça n'a pas été mon cas. Mm -hmm. Quand je me suis mariée, bon ben, ma belle famille ne me voulait pas. Et euh, il y a une autre chose que je pourrais rajouter, être un agent de paix, que j'ai découvert ce qui sépare les gens et qui crée du conflit, c'est parce que Jésus nous a aussi enseigné comment gérer le conflit. Il dit, tu vas vers la personne qui t'a offensé et tu gères le conflit avec la personne. Va pas raconter le conflit à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Et dans les familles, dans le couple ou dans les familles et dans ma belle-famille, c'était le cas. S'il y avait quelque chose qui allait pas au lieu de ma belle-mère, au lieu d'aller vers moi ou d'aller vers mon mari, elle allait le dire à quelqu'un d'autre et ça ça amenait souvent des conflits. Mm -hmm. Et j'ai découvert qu'on a été capable de gérer ce conflit en tant que couple, comment gérer les conflits avec la belle-famille parce que mon mari a pris parti et a, a, a rester solidaire avec sa femme. Mmh. Et pour nous, ça a été une clé importante. Et ça revient à la première au premier verset où dit, il quittera sa mmh. mère et son père. Ça, c'est une clé importante que je remercie Dieu pour mon mari. Amen. Parce que dans le milieu avec ma belle-famille, il y avait tellement de conflits. Mon mari a choisi de rester avec sa femme mmh. et de ne pas permettre à ma belle-mère d'amener... Des, mmh. des problèmes dans le couple. Oui. c'est ça souvent je vois dans les, des fois où je conseille certains couples, je leur dis une chose entre mari et femme, une chose qui est importante mari et femme, vous, avez, vous êtes un, oui. vous êtes une unité, vous devez rester un. Marie, tu dois rester avec ta femme. Et ne prend pas automatiquement le parti de, 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 ta, de ta mère. ou Parce que c'est intéressant quand même qu'il y a toujours des histoires de belles-mères. Hein. Oui, il vrai. doit y avoir une raison. <laughs> c'est qu'il doit y avoir une telle insécurité parce mm -hmm. que tout d'un coup, le fils n'est plus... Euh, il y a une autre femme dans oui. le jeu. Mm -hmm. Il y a une insécurité. Mais comment gérer ce conflit L'homme doit prendre parti avec sa femme et mm -hmm. rester. Hein, et ne Vraiment. pas permettre à la belle-mère ou à sa mère de venir et de créer la zizanie mm -hmm. entre les deux. Et comment ça se fait en amour, être un agent de paix, de parler, d'aimer de, 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 sa mère mm -hmm. tout en ne lui, lui permettant mm -hmm. pas de venir lui monter, comme on dirait, le collimateur contre sa femme. Mm -hmm. Et c'est ce que mon mari a fait. Quand sa mère venait en disant, oui, ta femme, ceci, ta femme, cela, il prenait toujours, il disait, ma femme, c'est ma femme. Mm -hmm. Je, je quitte ma, je, mon père et ma mère, c'est ma femme et on est un. Mmh. Et puis il me défendait même quand j'étais pas là, oui, et même des ça. fois quand j'étais là. Et mmh. pour moi, en tant que épouse, ça a été euh, salvateur, ça a été oui. vraiment quelque chose de fort pour oui. moi, qui m'a vraiment permis de, de même d'embrasser de, 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 ma belle famille mmh. Mmh. Oui. sans me, me sentir menacée. Donc le mari avait vraiment mon mari. Et puis ça va de l'autre côté aussi, la mère avec les avec les beaux-parents, avec ses le, parents les, à elle. Femmes, oui. Et puis aussi, j'ai découvert, parce que quand je me suis mariée, mon mari avait aussi des enfants mmh. d'un mariage ça, précédent. Et donc, les enfants aussi, surtout les enfants, même vos enfants, ou les enfants d'un autre couple, ont tendance à vouloir monter le père et la mère l'un contre oui. l'autre. Ou moi je vois dans notre, dans notre cas le fils de Fred mm -hmm. voulait presque voir qui c'est que tu vas aimer plus ta mm -hmm. femme ou moi ah. c'était presque des fois à mettre à, à, à mettre des schémas et mm -hmm. des et des mises en scène presque pour savoir euh, est-ce que tu aimes ta femme plus que moi et mon mari je rends grâce au Seigneur qu'il a il il avait cette révélation qu'un que mes enfants ne se sentiront en sécurité et je ne ils pourront vraiment être aimé que quand il voit qu'il y a une solidarité et mmh. que le couple est un. Ah oui. Et là, c'est parce que souvent, il y a les familles qui tombent mmh. et qui se détruisent parce que ça, parce qu'il n'y a pas ce couple qui est un. Mmh. Et est un les noyau. enfants qui ne voient pas le père et la mère qui sont un et qui s'aiment et qui se respectent et qui sont solidaires, ben, mmh. ils ont toujours, vont toujours avoir tendance à vouloir venir. Mmh. Et. Et, et l'ennemi le, le, souvent va venir essayer d'amener cette discorde et d'amener de la division dans le vrai, C'est vrai. Oh. deux visions oh il a appris sa leçon Waouh. Wow. Ah, bon, merci euh... Gwen tu brilles dans cette émission alors la prochaine fois si vous entendez Gwen avec idée. cette révélation ça, sachez que sachez que c'est de, de moi de ça. si vous l'entendez si vous entendez Audrey le prêcher vous vous souviendrez que quelque part j'avais écrit ces notes mais on, mais on voit Audrey dans tout ce que tu partages qu'il y a vraiment un noyau central qui est vraiment au niveau de la, de la communication et, mm -hmm. et d'un désir réel, intentionnel de protéger son couple. Oui. Que ce soit au niveau de la belle-famille, au niveau des, des enfants, au niveau du couple en soi, c'est qu'il y a d'abord un, une décision de vouloir vraiment protéger son couple, être un, être solide. Et c'est vrai que déjà commencer par là, réaliser que le couple est quelque chose de fragile qui se construit étape par étape, comme tu l'as dit, c'est très fort ce, que, ce par quoi tu as commencé en parlant de cette, cette devenir une seule chair, qu'au niveau de l'âme, ça se fait en processus, oui. c'est un processus en cours de route. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est très vrai. C'est très vrai parce qu'on est deux personnes complètement différentes. On a, et là, on va se retrouver à vivre ensemble tous les jours de notre vie, à partager tout ce qu'on a de plus intime avec l'autre. Et il va y avoir des affrontements. Mais oui, c'est inévitable. Mais s'il si, y a un désir de protéger le couple, une vraie décision d'être capable de marcher sur son orgueil et puis de, de prendre le dessus sur certaines choses, d'oser communiquer, tu as, as osé dire à Fred certaines choses dont tu avais besoin. Ça demande de l'humilité de dire, bah tu vois, quand je te repousse, en fait, ce que j'ai envie, c'est que tu me prennes dans tes bras. Ça demande beaucoup d'humilité quand même, il faut oser le dire. Mais on, on voit que c'est important. Et je crois que souvent les hommes, messieurs, dites-moi si je me trompe, mais vous vous dites, où est le mode d'emploi de ma femme Parce que parfois, il y a des incohérences comme ça qui sont complètement paradoxales. Je te dis, dégage, mais en fait, j'ai envie de te prendre moi dans tes bras, je t'aime. Bon, Voilà, et ça aide, j'imagine, quand on vous parle, messieurs. Super. Mais vous avez des femmes extraordinaires! Vous avez des femmes extraordinaires! Bouche ouverte, ils n'en ont pas un mot! <laughs> Annabelle, elle communique beaucoup, donc oui. voilà, pas de problème à ce niveau-là. <laughs> voilà, mais donc c'est important! C'est très, très important! Vas-y, C'est la clé, mmh. la clé pour, euh, pour résoudre les conflits mmh. ou pour ne éviter les conflits oui. avant mmh. même qu'ils arrivent. Mmh. Et ça, ce, dont as partagé, ce que tu as partagé pour le, le câlin, c'est ce qu'on a commencé à faire avec notre fille, en fait, Eden. <laughs> on s'est dit, ça, on avait des conflits. Et au bout d'un moment, bah, on a réalisé, c'est vrai, une réponse douce calme la fureur. Alors mm -hmm. on s'est dit, on va, on, on, même si on, on s'est engagé avec Eden, mm -hmm. elle, elle et nous, bah, quand on est en conflit, on va, on va se prendre dans les bras. Et c'est vrai que ça a ça des ça tensions, hein. même physiques, ah, oui. mm -hmm. on pêche, peut pêche. ressentir que ça va. Et enfin, ça, c'est vraiment l'humilité, la mm -hmm. recherche vraiment. de l'amour. Vraiment. Mm -hmm. Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est quand on parle des conflits dans le couple, ce qui vient vraiment euh, envenimer les conflits, c'est quand le couple, parce que quand on est en conflit, on est dans un moment de de colère ou de où les, 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 les émotions sont à vif, d'aller parler à l'extérieur. De vraiment de se dire que notre couple est une unité, c'est un noyau. Et même si j'ai un désaccord avec mon mari, ben je ne veux pas en parler à ma, à ma mère. Euh. Parce que quand je vais parler avec ma mère, quand je vais revenir avec mon mari l'après-midi, finalement, oh tu sais, hier, on en parle et puis c'est fini. Mais à ma mère, c'est comme si j'ai laissé un petit, un petit grain. Mmh. Dans deux mois, je viens, je donne, un autre grain, et je donne un autre grain. Et finalement, elle a les mains lourdes, tu mmh. vois. Elle est remplie d'animosité envers mon, mon mari ou l'inverse. Et elle le voit sous, la le la voit la sous un autre regard. regard. Mm -hmm. Et c'est ça qui se passe souvent c'est que le mari va avoir un, un désaccord avec son épouse. Et peut-être même sans, sans le vouloir, il va juste s'échapper devant sa mère. Oh, mais t'as pas bonne mine. Oh, mais non. Euh, non. » Et la mère, elle enregistre, elle enregistre. Mm -hmm. Et ça change la vision de, 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 de l'extérieur. Et des fois, c'est même les amis tes copines qui, viennent, qui connaissent toute votre vie de couple, qui connaissent toute votre cuisine intérieure, mmh. ça ne devrait pas. Oui. Parce que quand c'est dans un temps de conflit, comme tu as dit des fois, notre perception est changée parce qu'on est dans un moment de, de discorde, mais ce n'est pas vraiment notre réalité. Mais là, on a, on a donné une perception négative à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment important. Ça nous aide à bien marcher dans la résolution de conflits. Si vraiment dans le couple, on peut mettre notre couple à part, nos problèmes de couple, on les gère à deux. On peut aller demander de l'aide en cas de... Quand on a épuisé vraiment nos... Oui, quand on est, en a besoin. Mais ce n'est pas capable, pour tout ouais. et pour rien. Là, tous les lundis, tous les mardis, tu es en train de dire <laughs> toutes, toutes tes histoires dehors. C'est voilà, en fait. vrai, c'est très très important ça. Dieu veut vraiment restaurer euh, le couple dans, ouais. dans, dans l'Église. En fait, on, on voit que euh, pendant longtemps, les chrétiens se sont voilés la face. Il y a eu beaucoup de... Beaucoup de conflits, beaucoup d'amertume, même des couples pastoraux qui ont décidé de chérir plus le ministère que leur couple. Et euh, oui. je pense que vraiment Dieu n'est pas dans l'affaire. Euh, je pense que Dieu regarde beaucoup de couples pastoraux s'affairer à plein, à des tas et des tas de choses, alors que le couple va mal. Oui. Et Dieu n'est pas dans l'affaire parce qu'il veut vraiment que premièrement l'image du couple, l'image du couple, c'est c'est la base de cette société. C'est comme ça que Dieu l'a voulu au départ. Il l'a créé comme ça. Et d'ailleurs, le diable rigole de l'Église en en se disant qu'il y a beaucoup de dissolution, qu'il y a beaucoup de divorce, etc. Parce que cette première image que Dieu a instaurée, l'homme, la femme, est déjà, euh, elle est déjà bancale. Donc, ouais. euh, Tant qu'on va fuir ce problème, tant qu'on va le laisser de côté, tant qu'on va l'ignorer, qu'on va faire comme si et qu'on est dans notre ministère et que notre ministère grandit et ceci et cela, euh, Dieu n'est pas dans l'affaire. Il faut vraiment qu'on soit qu'on soit conscient de ça, que Dieu veut qu'on restaure ce premier ministère mmh. qu'il nous a confié. Si celui-ci ne va pas bien, Dieu nous dira un jour, nous dira mais ce que je voulais, c'était que déjà ça, ça fonctionne. Je voulais que ça, ça fonctionne. Il y avait quelqu'un qui avait fait une vidéo là-dessus, qui est, euh, je crois c'est un Américain qui a fait une vidéo où on voyait euh, des personnes qui, 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 qui Devant Dieu, euh, je t'avais appelé à être évangéliste, etc. Mmh. Puis il y avait des personnes, il y a une personne, il y en a une qui est, qui est toute triste en disant Je n'ai pas amené d'âme au, Se au Seigneur, etc. Mais, mais le Seigneur lui dit Mais ce que je voulais, c'était que tu gères bien ça, ce noyau, cette, mmh. cette famille-là. Et en fait, on, on, je pense qu'on qu passe complètement à côté des fois de notre premier appel. Donc il faut, il faut le chérir, il faut protéger notre couple, c'est tellement important, mmh. il, faut, il faut communiquer. Donc euh, tout ce que j'ai dit et tout ce que avait parlé, c'est bien. Euh, <laughs> Ouf <laughs> 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 <inaudible> Et, une, et une, une dernière chose aussi que je voudrais rajouter, Donc, une fois que le conflit est géré, hein, on a parlé de la gestion, on l'a géré, on l'oublie, on oui. le range oh, sous le tapis, c'est exactly. fini, on le ressort pas dans un mois, dans Ils deux mois, durs. dans dix ans, et ça a macéré là, oui. et ça a pris de l'ampleur, on l'oublie, on tire un trait dessus, ou on est capable d'en rire. On peut aussi juste en rire, en oui. s'en souvenir, en en rigolant, mais pas en remettant ça sans arrêt sur le tapis, c'est vraiment important. Oui. Quand Dieu nous pardonne une faute, il l'oublie. Il la jette dans la mer de l'oubli, c'est terminé, c'est fini. Alors nous, si on pardonne une faute à notre mari, à notre épouse, et qu'on la ressort sans arrêt, finalement ça s'appelle pas du pardon, ça, ça s'appelle juste un sursis, <laughs> un sursis momentané et paf, je te le rebalance à la moindre occasion. Donc c'est important. Donc à la maison, je vous encourage vraiment euh, à mettre en pratique tout ce qui a été partagé, à être un agent de paix, que ce soit dans votre foyer, à votre travail, avec vos enfants, avec euh, la caissière du magasin. Comme on l'a dit, dans tous les domaines, vous pouvez vraiment être un agent de paix pour changer l'atmosphère autour de nous et puis protéger votre couple. Comme Audrey l'a dit, c'est très, très important. Prenez la décision aujourd'hui si vous nous regardez en couple. Prenez la décision à la fin de l'émission. Vous pouvez prier ensemble avec votre mari, avec votre femme et dire oui Seigneur, on va protéger notre couple. À partir d'aujourd'hui, on va être prudent, on va être sage, on va oser communiquer, on va faire preuve d'humilité, on va se parler franchement, puis on va être très, très vigilant à toutes ces petites divisions qui peuvent venir s'immiscer dans notre couple donc je vous encourage vraiment à faire ça pour que votre couple demeure solide quoi qu'il arrive merci beaucoup Audrey d'être venue euh, sur merci. notre plateau merci. de bonjour ouais. chez vous <rire> pour <rire> ces notes heureusement oh, non, non, non. Ouais, je serai <laughs> toujours là <Audrey. rire> merci infiniment Audrey tu reviens euh, quand tu veux tu es toujours la bienvenue oh, ouais. donc euh, reviens quand tu voter à la maison. Merci à vous tous, cher chroniqueur, et nous on se retrouve demain. Euh, notre émission sera le mystère des rencontres divines et nous aurons une rubrique flashback avec Anne. Ne manquez pas cette émission. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.